Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire un big haul spécial Disney Store et Disney, le World of Disney du parc du Disney Village, ainsi que la fermeture du Planète Hollywood. Ah là là, vraiment dommage, c'est triste, mais bon, je suis un peu en retard, il a fermé, je crois, ouais, 19 janvier ou je sais plus, début janvier. Et j'ai profité pour manger encore un peu là-bas. Ils ont fait un beau clip de fermeture du resto avec tout le personnel, tous les castes, les cuistots, les chefs, enfin les responsables, etc. Et c'est vraiment dommage parce que il y avait beaucoup de belles collections dans le Planet Hollywood. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai pris avant la fermeture définitive. La boule, elle y est encore, mais je crois qu'à la place du resto, ils vont faire un. Je sais même plus. J'avais entendu parler. Déjà, il y a des restos français. Et la boule, j'avais entendu parler, je sais plus. En plus, je l'ai dit à une copine aussi. Et du coup, vu que ça fait un mois, bah, j'ai oublié à la place ce qu'ils vont faire. Du coup, moi j'ai pris. Ça, c'est l'ancien verre que j'avais pris. Donc, j'ai tout regroupé dedans hein, pour le souvenir, quoi. Les souvenirs, tout simplement. Donc, avant, les verres, ils étaient vendus avec 1 euro en plus, je crois, de ton cocktail. Donc, voilà, dans le resto. Et celui que j'ai pris récemment. Ah ouais, de toute façon, je crois qu'il y a la date de fermeture à l'intérieur. On va voir la différence. Donc voilà, pour les derniers verres, cocktails de là-bas. J'ai pris un Terminator et l'autre, je sais plus. Donc voilà, la date 7 janvier, voilà, début janvier. De 96 à 2023. Ah là là. Il y avait aussi des beaux coffrets avec du champagne, il y avait deux verres, je crois. Dans le coffret et toujours avec le Planet Hollywood la date de fermeture. Donc voilà, ensuite j'ai pris quoi d'autre, j'ai pris un petit porte-clés, la belle petite planète. En fait c'est un porte-clés et je savais pas, c'est en rentrant que j'ai su que c'était en fait une clé USB et je crois que on tire par ici. Est-ce que je vais réussir? Voilà. Donc voilà. Et plus la clé USB. Je savais pas que c'était une clé USB. C'était tout en liquidation. Donc je crois qu'elle m'a coûté, je sais plus trop, 6-4 euros. Donc voilà, je me suis dit c'est symbolique la petite planète. Paris en plus et les étoiles. Il y a trois étoiles dessus. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris les dessous de verre. C'est pas si ouf, mais bon, c'est sympa quand même. J'ai pris quoi d'autre? Ah oui, les petits. Les petits trucs qu'on met dans les cocktails. Donc voilà, tout simple. Hein, c'est tout bête, mais bon. Donc voilà. C'est dommage parce que les desserts, les plats et tout, c'était fidèle à en Amérique, quoi. C'était les mêmes recettes. Donc voilà. C'est symbolique, quoi, tout simplement. Des petits souvenirs, voilà. Mais après, il est vrai que j'aurais dû prendre aussi les fringues. Les pulls, les suites, tout ce qui va avec. Allez, c'est parti maintenant. Place au shopping Disney. Le gros shopping, celui-ci, je crois que j'ai déjà montré. Je crois, hein. C'est un beau sac iridescent rose mauve avec le petit Disney. Et par contre, je sais pas si c'est la collection des 30 ans, peut-être, hein, vu que c'est iridescent. Donc voilà. Et je crois qu'elle est sortie presque en même temps. Bon, ensuite, j'ai pris des porte-clés lambda ailleurs. Mais avec des têtes de Mickey. Donc fourrure rouge et fourrure bleue.
C'est beau. Et des glitters sur les Mickey. Donc voilà, j'ai mis dedans, histoire de. Donc voilà, ah oui, on peut la porter en ceinturon ou en lanière sur l'épaule, quoi, tout simplement. En petit sac à main. Ensuite, pour la collection de Noël, il restait encore des trucs aux Champs-Élysées. J'ai pris, je crois que c'était 28 euros, ouais, voilà. 28 euros et ça m'est venu à 17,64 €. Donc voilà, elle s'illumine et elle fait des bulles en même temps. Et heureusement, j'ai demandé avec la languette parce que tout le monde ouvre et voilà quoi. Et bousille la batterie, quoi, tout simplement. Enfin, les piles, je veux dire. Très beau bâton à bulles. Ensuite, je mets sur le côté. J'ai pris dans la collection des 100 ans de Disney le savon qui est à la camomille cette fois. Camomille cette fois. Les autres, ils étaient surtout pamplemousse, celui des 30 ans. Celui d'Halloween, il était orange épice, je crois, je sais plus. Et il y a aussi le Disney World 50 ans. Je sais plus, au citron peut-être, au citron. En fait, ça change de temps en temps, mais des fois, à chaque fois, c'est pamplemousse. Et je crois que la 2024, c'est pamplemousse aussi. Donc, comme ceux des 30 ans, je crois. Donc voilà. Je crois qu'elle est dedans, d'ailleurs, la 2024. 2023, pardon. Je suis épuisée, mais je viens de me réveiller. Ensuite, j'ai pris ce beau jersey spécial gaufre. Il est en promo, moins 50 %. Il est un peu froissé, tellement ça fait longtemps que je devais faire ce big haul. Donc, il est très beau. J'adore leur gaufre en plus là-bas. Et je crois qu'il y a une odeur. Je sais plus s'il y a une odeur, je sais plus du tout. Je sais pas. Franchement, je sais pas s'il y a une odeur. Ou c'est surtout sur les sacs. Ouais, je crois que c'est sur les Lunchfly qui vont avec. Lunchfly et aussi l'autre là, les Ears. Les Ears de Mickey, quoi, tout simplement. Mais moi, j'ai préféré que prendre le jersey parce qu'il est trop beau. Donc voilà. Ensuite, dans l'un des Wonderbox, Wonderbox, ouais. J'ai eu des stickers Star Wars, le troisième, j'ai oublié. Tellement c'était pas ouf, hein, la nouvelle trilogie. Donc voilà, avec Kylo Ren et compagnie. Ensuite, ah voilà, le savon des 2023. Donc celui-ci, il a un pamplemousse aussi. Donc voilà. Ils sont à 14 euros ceux-là, normalement, de prix. Ensuite, il y a une nouvelle collection. De la collection Illy Forever. C'est peut-être une créatrice, je sais pas du tout. Et elle a fait comment ça s'appelle, voilà, des sortes de poupées différentes des princesses et qui s'habillent en mode princesse, quoi. Enfin, en mode inspiré des princesses, voilà. Donc là, j'ai pris Ariel, ma préférée. Et il y a tout l'assortiment, la combi, enfin la combi, l'ensemble, voilà. Cherche mes mots, hein, dès le matin. Pas évident. Afficher la Ariel en vous avec Disney Illy Forever. Donc voilà. C'est dommage parce qu'il n'y a pas une rousse parmi les copines là. Et elles sont à 18 euros les fringues, les accessoires et tout, des princesses. Et sinon, c'est un peu plus cher quand il y a une poupée avec. Je crois que c'est dans les 28 ou 28 ou 30, je sais plus du tout. J'ai pas pris parce qu'elles sont pas jolies, hein, vraiment pas jolies. J'ai pris aussi une trousse à coloriage de Ariel, elle est très belle dessus, avec Sébastien, avec les algues.
Attends, fais voir si je peux ouvrir. Ah là là. Ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Je vous ouvre et il m'a coûté 20 euros. Heureusement, j'ai les chèques cadeaux. Hein. Qu'est-ce que c'est cher? Tout a augmenté, je vous raconte pas. Donc voilà, on a les feutres et la gomme, un bic, un carnet, enfin un bloc-notes surtout, un bloc tout blanc, des crayons de couleur, la colle, les règles à lettres. Ça c'est quoi? C'est dedans. Un truc qui sert à rien. Petit bout de papier, c'est pas grave. Des crayons à papier, un taille crayon et un ciseau. Donc voilà, tout simple à emporter. Et ce qui est bien, on a Polochon ici. Ça complète du coup les personnages qui sont sur la trousse. Ensuite, ça va être long. Hein. Ah oui, il y a ça aussi. De la collection des 50 ans, c'était en promo. 14 euros au lieu de 20. Il y a tout, il y a le porte-clé, il y a la sorte de carte postale, là. Carte souvenir, un magnet, je crois. Ouais, je crois que c'est un magnet. Donc voilà, ça c'est vraiment collector parce que 50 ans de Disney World, Disney, ouais, Disney World, je me trompe pas, de Walt Disney World, avec les badges, c'est vraiment collector vu que, voilà, quoi, quand pas voyager, ben au moins tu as les produits qui viennent ici et tu as des beaux produits. Donc ça ressemble un peu à ceux des 30 ans mais un peu plus clair les couleurs. Donc voilà, c'est aussi légèrement irisé. Je vais le mettre ici. Ensuite ceux-là, j'ai pris un Miniso, boutique japonaise. Et j'ai pris Ariel. Elle est trop belle. Et ce qui est bien, c'est que des fois, tu as le droit de prendre ce qui est en vitrine. Il y en a qui refusent, il y en a qui acceptent. Ah, il a scotché. Il a scotché. Oh. Attends, fais voir. L'ouverture. Ouais, il me l'a scotché. Ah ouais, il me l'a bien scotché. Bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, c'est l'intérieur qui compte. Donc voilà, elle est trop chou. Alors, la tête est partie, c'est pas grave. On va la remettre. Hop, et voilà. Trop chou, trop mignonne. Oh là là, dans son pyjama. La tête, elle se barre. Il y avait qui d'autre? Blanche-Neige, Belle, etc. T'as toutes les copines. Elsa et Anna. Bah, il y en a aussi. D'accord. Bah, moi, je suis contente. J'ai ma préférée. Tiens, elle est là aussi. Donc, Ariel est là. Cendrillon. Tiana. Voilà. Blanche-Neige, etc. Allez. Ensuite, j'en ai plein. Faut pas que je traîne. Je mets de côté. Ensuite, j'ai pris le mug, le fameux mug. C'est un verre de lait Disney World. Donc ça, c'est collector. Et sans le vouloir, quand on commande et il y a un bug, j'en ai pris deux autres de plus. Du coup, je vais les échanger. Je sais pas ce que je vais faire, mais ou les revendre, je sais pas. Ils m'en ont pris deux autres. Tellement c'était pas cher, j'ai pas vu. C'était pas cher, donc voilà. Il est beau, hein, le verre de lait. Ensuite, celui-ci, il était soldé début septembre, je crois. C'est la collection Croisière de Disney. Elle était à 15 au lieu de 30. Elle était très chère, celle-ci. Hein. Et ce que j'aime beaucoup, je vous avoue, c'est mes premiers ears de Disney, c'est qu'il y a des pastèques. Des pastèques, des feuilles de palmier, tout ce que j'aime. Mickey et Minnie sont en maillot de bain. Ou pas, ouais, en tenue de plage, quoi, on va dire.
Et il y a des fruits aussi, ananas et compagnie. Ananas, pastèque. Oh, des fleurs d'orchidée, c'est trop beau. Et ils sont en lunettes de soleil. Et là, on a des belles fleurs sur la... Oh là là. Franchement, je trouve que c'est les plus belles hirs sorties depuis... depuis les autres, parce qu'elles sont originales et ça change d'une papillon, quoi. Ensuite, la robe de Jessica Rabbit. Je vais éviter de la mettre par terre, du coup. Voilà. Alors, belle robe en touché velours. Donc voilà, touché velours, Jessica Rabbit. On a sa tête là. L'intérieur est satiné. Donc c'est un sans manches. Le décolleté, très beau. J'ai pris taille XL au cas où. Elle est passée à 44 au lieu de... Oh là là, 239 de base. Elle était chère. Hein. Elles étaient chères. Et c'est la collection The Dress Shop. Donc c'est là où il y a toutes les robes de princesse ou d'héroïne Disney, quoi. Donc voilà, et c'en est une. Donc c'est la longue... La fameuse robe longue à fente que porte Jessica Rabbit dans le film. Dans le film animé. Voilà. Très belle. Très belle robe, franchement. Ça, c'est collector. Hein. C'est... Je vais le mettre ici. Ensuite, j'ai pris ça. Je crois que c'est à Primark. Une sorte de mini... C'est pas des mini pop, c'est des mini Funko. Only at Primark. Et elle était toute seule. Je me suis dit, vas-y, je vais la prendre. Je sais plus, elle était à combien. Peut-être 5, 9, 5 ou 9 euros, je sais plus. Mais je sais que ça dépassait pas. Ah bah voilà. 6 euros. Moi et ma mémoire. Hein. Ça fait depuis, je crois, l'été. Hein. Ou septembre ou octobre. Donc voilà. C'est collector. Disney Princess. Et elle est en robe de... En robe de princesse. Ensuite, j'ai pris une palette de maquillage Ariel de la collection Mad Beauty. Eyeshadow palette Ariel, princesse Ariel. Donc voilà. Avec ses couleurs adéquates. Le violet, le rose, etc. Ensuite, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, seulement ça fait longtemps. J'ai cumulé, cumulé et j'ai oublié. Ah, c'est quoi ça? On va voir. Ah oui, la clé de Disney World. La fameuse clé que tout le monde recherche. Elle est trop belle. Elle était soldée. Elle était soldée à 7 euros, je crois, au lieu de 20, 19 euros, je sais plus. Et je sais qu'elle était chère de base, mais là, magnifique clé. Donc voilà, très contente de ma clé Disney World. Et je crois que c'était pour les 50 ans aussi de Disney World. Ensuite, ça je peux jeter. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu des badges. Des badges dans le parc. Vous savez, vous demandez à l'hôtel de ville, je sais plus comment on dit, ouais, l'hôtel de ville, hein. Je célèbre l'anniversaire. Voilà, j'en ai eu deux et je crois qu'il y en a une, on me l'a donné. Je crois que c'est Mickey, c'est celle-là qu'on m'a donné. Et l'hôtel, elle m'a donné ça. Enfin, l'hôtel de ville. Donc voilà, c'est sympa, je trouve. Cadeau en plus, il y a quoi d'autre? Ah oui. Il y a ça, il y a ça. C'est quoi ça? Non. Allez. Ariel. Je crois que c'était la collection de Noël. La nouvelle collection de Noël d'ornements de princesse. Donc elles sont toutes assises. Et elle est assise sur un tabouret en coquillage. En forme de coquillage. Elle est très jolie. Donc voilà. J'ai essayé de prendre une Ariel bien dessinée des yeux. Parce que des fois elles étaient... distordu ou mal surligné, on va dire. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, voilà. Voilà, voilà.
je vais mettre là. Ensuite, au niveau de ce sac, je pense que c'est bon. Ça, c'est quoi? C'est un élastique. Ok. Ok. En plus, c'est des sacs action. Hein. Allez, ensuite, j'ai plein de trucs. Il faut vraiment que je fasse vite. Alors, à Primark. Du coup, il y a du Primark hein, dans mon haul. Serviette d'été. Serviette de... Ouais, de plage d'été, comme vous voulez. Avec des fruits. Et des têtes de mini. Et Mickey. Mini et Mickey en fruits. Voilà. C'est beau, je trouve. C'est très beau. Donc voilà, elle se présente comme ça. Il y a tous les fruits, tout ce que tu veux. Et c'était... je crois que c'était... C'était pas cher, c'était 3 euros. J'ai pris direct. Il n'y avait pas le prix dessus. J'ai demandé en caisse et... Quand elle m'a dit 3 euros, j'ai pris direct. C'est trop pas cher. Donc voilà. Ensuite... Undies, ils ont fait une collection Ariel. Je crois j'en ai une autre. Ah bah je l'ai déjà montré. Je l'ai déjà montré d'ailleurs. Collection Ariel ensemble de pyjama. Donc voilà, je ne sais même plus elle est où d'ailleurs. Je ne sais même plus où je l'ai mise. Belle culotte, j'ai pris en XL. Ah voilà. Donc, on va la mettre correctement. Donc sur les deux côtés on a Ariel. C'est un beau vert foncé. Elle a son coquillage. Donc voilà, très joli, c'est tout simple. Moitié prix, ça m'a coûté 5 euros au lieu de 9. Au lieu de 10, quoi. Moitié prix de ça. Donc voilà, ensuite. Les nouvelles pailles qui sont sorties. Il y avait Mini aussi. Mini, Stitch. Stitch... celle qui est en rose, j'ai oublié son nom. Il y a qui d'autre? Il y avait Marie des Aristochats. Il n'y en avait pas beaucoup hein, au final. Il y avait Ratatouille. Et elles sont à 6 euros. Elles viennent de sortir. Là, juste récemment. Donc, j'ai pris que Mickey hein, à la base. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Dommage, j'ai pas un tabouret. On va enlever ça. Ah oui, c'est le truc de... De Winnie, mais je vous le montrerai plus tard. Parce qu'il me faut ce qui va avec. Ça, c'est quoi? Ah, la collection des 30 ans aussi. Calendrier 2023. Ça, c'est beau. C'est très beau. Donc, voilà. On a toutes les images ici, avec toutes les attractions. Voilà. Et voilà. Et surtout, avril, l'anniversaire. Le 12 avril de... De Disney, Disneyland Paris. Voilà. L'anniversaire. Surtout cette image. Et elle coûtait 10 euros. Heureusement, j'ai pris. Il n'y en a plus. Hein. Et il y a des choses qui ont disparu, je vous le dis. Donc voilà. Ça, il fallait que je le montre plus tard, mais bon. Il y avait une projection de Disneyland Paris avec tous les chanteurs Amir, Jennifer et compagnie. Franchement. J'ai participé au truc, mais ils ont offert ceci, un aimant Paris, Disneyland Paris, avec la Tour Eiffel, plutôt, et Mickey Mini. T'as le Sacré-Cœur aussi, là, au fond. T'as la Montgolfière. Et t'as quoi d'autre? Bah, c'est tout, hein. Ouais, Sacré-Cœur et Tour Eiffel. Donc, voilà. Ils ont caché le prix, c'est pas grave. Mais c'est gentil, quand même. Je trouve que c'est sympa. Nous offrir cela pour la participation dans le public. Donc voilà, ensuite la collection Disney World. Celui-ci, ouais, je l'ai commandé. Vu le sachet. C'est un beau. Je vais mettre là. C'est un beau pull simple, non? Non, t-shirt, pardon. T-shirt des 50 ans avec Mickey. Il est très beau. Et le tissu est très doux, très coton. Donc voilà, Disney World. Le Disney World est pailleté. Il est trop beau. Franchement. Trop beau et il coûtait cher, mais je l'ai eu en promo, je crois que je l'ai eu à moins 50%, 48 euros je crois, je l'ai eu dans les 20 euros, je sais plus, 18 ou 20 euros, mais je sais que je dépasserai pas les 30 euros hein. Ça c'est sûr, ça je mets là.
Quoi d'autre? D'ailleurs, je devrais trier les 50 ans et 30 ans. Celui-ci, je l'ai trouvé. C'est fou ça, je l'ai trouvé sur un tourniquet de RATP. C'est ouf, c'est dingue, quelqu'un a oublié, a fait tomber peut-être en faisant ses courses. C'est un t-shirt de Undies. Taille S, mais il fait taille large d'apparence. Donc c'est Mowgli quoi, le livre de la jungle. Donc voilà, on a tous les copains. Shere Khan, enfin Louis, Bagheera et Balou. Trop beau t-shirt, je suis contente, gratos. Je l'ai trouvé comme ça, c'est ouf. Le truc qui t'arrive jamais de trouver des t-shirts sympas. Ensuite, de la collection Ariel. Il y avait une collection spéciale à 25 euros là. Le sac à main. Une fleurie printanière. Donc voilà. Il y a quoi dedans? Je crois que c'est la. Oh, c'est le papier, c'est rien. Ah non, si, il y a des choses. Il y a des choses, il y a des choses. Je vais enlever les papiers d'ailleurs. Ça m'a coûté cher. Hein. J'ai cru que ça allait être en rupture. Ben non, je crois qu'à un moment elle a été soldée. Mais c'est pas grave. Hein. Elle m'a coûté 25 euros. Ça coûte bonbon. Qu'est-ce qu'il dit là? Have you ever seen anything so wonderful in your entire life? Ah oui, dans sa chanson Dans la grotte. Part the world. Ah voilà. Est-ce que tu as vu quelque chose de si joli ou un truc comme ça dans ta vie Bref, ça fait partie de la chanson. Ah, enfin, celui-ci c'était dans la collection d'Halloween, mais bon, Hadès, ornement. Vu qu'il n'y en avait plus beaucoup, il m'a coûté 24 euros quand même. Je voyais que ça c'était en rupture à chaque fois, donc c'est Hadès devant le bébé Hercule, tout content, trop chou, trop mignon. Et Hadès, vraiment mesquin. Donc voilà, sur le nuage, tout ça. Et il y en a, ils étaient distordus. Je me suis dit, je vais faire gaffe parce que. Et des fois, Hadès, il n'était pas très, très, comment on dit, aligné aux yeux de Hercule. Ça, j'ai fait très gaffe. Des fois, je sais pas, sa tête, elle était sur le côté, comme s'il regardait autre chose que Hercule. Du coup, j'ai fait en sorte de bien choisir. Comme quoi, il y a souvent des défauts de fabrication ou de comment dire, d'ajustement. Ensuite, j'ai pris ce bloc-notes Ariel. Dedans, c'est des lignes, hein, toutes simples. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le crayon à papier avec la gomme au bout. Gomme coquillage. Et là, on a l'élastique pour faire tenir le bloc-notes. Donc voilà, tout simple. Très beau. 10 euros. Il y avait d'autres princesses aussi, mais j'ai pas pris. Hein. Donc voilà. Ensuite, toujours dans la collection d'Ariel, j'ai pris les bijoux. Le collier qui est très beau. En perles. Trop chou. Et la barrette à cheveux, pareil, la même chanson ici. Et elle m'a coûté, je crois, dans les, je sais plus, les 15-20 euros, je sais pas. Mais je me suis dit, je vais faire vite parce que sinon, ça va être en rupture. Ben non, c'était tout le temps là. Les gens, ils prenaient pas. Et je crois, à un moment, c'était en réduc. Ouais, en réduc. Donc voilà. Donc, la collection des 50 ans, c'est un porte-pièce, une petite assiette quoi, avec des choux. Hein. Il est très chou. Donc voilà, je crois il m'a coûté, ah bah voilà, 18 euros. Mais il était soldé sur le site. Je crois du coup il était à 7, 7, 10 euros, quelque chose comme ça. Pas cher, je l'ai pris direct. Parce qu'il est beau, Mickey et Minnie sont ensemble. Donc voilà, très beau, très joli.
Bon, ça, j'ai pris aucun rapport avec Disney Store, mais à Auchan, Leclerc, partout, quoi, dans les grandes surfaces, ils vendent le ultra doux enfant 2 en 1 Ariel à la cerise et amande douce. Et je crois qu'il y avait d'autres shampoings. Shampoing et des mélanges hypoallergéniques. Je crois que c'était Simba, le deuxième. J'ai pas pris un. Je vais pas prendre tout le monde. Mais je trouve que Ariel, bah, vu que c'est ma préférée, j'ai craqué. Elle est jolie là. Et il y a une belle cerise à côté. Ça lui va bien. Avec les cheveux rouges. Comme quoi. Ensuite, celui-ci, j'ai pris à Aldi. Il y a vraiment un mélange de boutiques. Hein. Je vous le dis, j'ai regroupé tous les Disney dans un sac. Donc ça, c'est des cartes de vœux ou d'invitation, pardon. Il y en a 10 dedans et c'est de la Reine des Neiges. T'as Elsa et je crois que les autres aussi c'est que du Elsa et t'as les enveloppes derrière. Donc voilà. Et c'était pas cher, c'était 1 ou 2 euros, je sais plus. Ensuite, de la collection d'été, j'ai pris le maillot de bain femme. Ah, j'aime beaucoup. En plus, j'ai déjà pris le short qui va avec. Le short pour homme en plus, j'ai pris. J'ai fait, je m'en fous, c'est pas grave si c'est pour homme. Le motif est très beau, comme ça, avec les feuilles de palmier, feuilles de jungle multicolores. Et ouais, donc là c'est mini, mais dans la collection homme, c'est Mickey. Bon, ils ont voulu, voilà, départager les femmes et les. Oups.